Bonsoir, bonsoir à la famille africaine. J'espère que le week-end a été bien, bon quand même, que vous êtes reposé comme ça se doit les week-ends. Donc ici à Dakar, hein, c'est le beau temps comme on dit. Il pleut depuis hier, donc à part le fait que l'eau peut causer des dégâts à certains quand même, on a du beau temps à Dakar. J'espère pareillement aussi chez vous. Donc ce soir, mon live va se consacrer aux deux points que vous avez vus au niveau de l'antenne. À savoir le premier point, qu'est-ce qui dérange dans l'appellation Kama? Et au niveau du deuxième point, on va aborder l'importance d'avoir un réseau africain de leadership et de solidarité. Donc pour le premier point, souvent, il y a confusion dans les termes ou bien il y a confusion dans les appellations. Souvent, quand on dit comment, les gens disent pourquoi on dit comment et pas Afrique. Donc, on dit que même d'après Wikipédia et d'après aussi certains anciens, on nous dit que comment vient de. C'est l'appellation accueillie hein, des territoires africains. Donc, ça veut dire qu'avant, les territoires, l'ensemble des territoires qui composaient l'Afrique étaient appelés Kamo. Donc, si on dit Kamo, normalement, ça ne doit pas poser problème. On doit savoir juste qu'on parle de l'Afrique. Même dans les publications ou dans certains textes, quand tu dis Kamo, automatiquement, quelqu'un te dit, pourquoi au lieu de dire Afrique, tu dis Kamo? Comme s'il y a un problème à appeler l'Afrique Kamo, alors qu'on dit que. Il suffit juste de taper tout ce sur Google pour voir que c'est l'appellation des anciens territoires africains. Donc, en quoi cette appellation peut poser problème à nous, Africains? J'aurais compris si d'autres venaient nous dire, oui, pourquoi maintenant vous revenez à l'appellation Kamo? Ou bien si d'autres qui ne sont pas des Africains, nous disent que maintenant il faut dire Afrique. Mais si des Africains se sentent vexés, heurtés de l'appellation Kamo, je pense que ça pose problème. Et ça prête confusion. Donc, certains disent que oui, parce qu'il y a les Kémi. Ça veut dire que les Oripons de Kamo étaient appelés Kémi. Et que maintenant on voit que les Kémi, c'est pas pour amener polémique ou autre chose, mais on dit que c'est eux, pour eux, cette appellation Kamo, et que eux, ils sont les frères et sœurs, mais ils sont contre les religions déclarées, ou bien les religions, comme on le dit, monothéistes que nous connaissons. Donc, moi, je me dis que il faut qu'on arrête quand même certaines polémiques. Moi, j'ai des frères et sœurs kémites. Et certes, ils le savent, hein, à chaque fois on est en accrochage depuis des années, ils sont pas d'accord avec moi parce qu'ils me disent toujours non, Marie, tu ne peux pas être panafricaine, militante, œuvrer pour la cause et rester musulmane. Je leur dis, hey, mon engagement pour l'Afrique, c'est mon engagement. Mes convictions et ma détermination pour la cause de l'Afrique, c'est propre à moi. Et j'y crois fermement. Mais ma liberté de culte et ma liberté d'opinion sont miennes. C'est mon droit d'être musulmane. C'est mon droit de rester musulman. Et c'est mon choix d'être pratiquante. Donc, ce que je ne permets pas à mes frères et sœurs kémites, je ne peux pas aussi le permettre aux autres. Il faut qu'on arrête de prêter confusion. Et qu'on dise comment ou pas ne doit pas être automatiquement relié à cet état de fait entre guillemets, qui fait que nous soyons des Kémites ou pas. Et c'est quoi être Kémite? Ça aussi, ça mérite de poser le débat. Est-ce que être kémite, c'est synonyme d'être contre toutes les religions révélées? Est-ce que être kémite, c'est synonyme d'être contre le christianisme, contre l'islam, contre toutes les religions révélées?
Est-ce que c'est ça être kémite? Ou bien c'est... On voit les kémites qui s'attaquent aux religions et ça, depuis des années, on dit qu'il faut que ça s'arrête. Que si on veut mener ce combat ensemble, parce que nul n'est sans savoir que l'unité de l'Afrique est un impératif. Nul n'est sans savoir que nos aïeux, nos grands-pères, nos grands-mères qui ont tracé ce chemin-là avaient bien dit clairement que l'Afrique ne s'en sortira jamais sans que ses fils et ses filles se donnent la main. Ça veut dire que l'unité est un impératif à la libération de l'Afrique. L'unité est un impératif pour que l'Afrique soit forte, respectée et prospère. Donc on ne peut pas y aller ensemble si nous nous regardons un chien de faïence. Si chacun pointe du doigt à l'autre pour lui dire que c'est de ta responsabilité. Et j'ai même perdu des amis qui m'aiment dans... Et tant pis si c'est comme ça. Mais ce que je n'ai pas accepté avec eux, je ne vais pas l'accepter avec les autres. Que Kama ne veut pas dire que nous sommes contre les religions. Dire Kama ne veut pas dire que nous sommes Kémites et ne veut même pas dire que Kémites c'est contre les religions révélées. Certes, les Kémites font la promotion de la spiritualité africaine. Les Kémites font la promotion des religions anciennes. Et c'est de leur droit. Ce que j'accepte pas, c'est que qu'ils disent que si l'Afrique en est là, c'est à cause des religions révélées. Qu'ils disent que si l'Afrique en est là, c'est parce que nous sommes des musulmans ou nous sommes des chrétiens. Ça, je suis pas d'accord. Parce que je me dis que la religion, la profession de foi, n'a rien à voir avec le développement. N'a rien à voir avec nos conditions de vie. Au contraire, nos conditions de vie, notre développement, c'est des questions d'éducation, de comportement. Certes, nous Africains, nous avons des problèmes d'éducation. Certes, nous avons des problèmes de rapport avec le travail bien fait. Nous avons un problème avec la culture du travail. Et ça, on ne peut pas dire que c'est à cause des religions. Moi, je n'y crois pas. Oui, à la spiritualité africaine. Parce que aussi, il ne faut pas s'en savoir que nous sommes avant tout des Africains, qu'on le veuille ou non. Nous sommes avant tout des Africains. Des Africains du Nord, des Africains du Sud, des Africains de l'Est, des Africains de l'Ouest. Mais nous restons Africains de sang et nous sommes liés. Qu'on l'accepte ou pas. Même les problèmes d'ethnie, ça, c'est juste parce que nous oublions que nous sommes Africains d'abord. Avant d'être Sénégalais, avant d'être Burkinabé, avant d'être Malien, avant d'être Sud-Africain, avant d'être Zimbabwéen, avant d'être Nigérien, nous sommes d'abord quoi? Des Africains. Donc le dénominateur commun qui nous regroupe, c'est le fait d'être Africain. Donc le trait d'union là, on ne pourra jamais, jamais, jamais s'en départir. Maintenant, certes, la balkanisation de l'Afrique avec la colonisation a fait qu'ils nous ont divisés. Et c'est cette division de l'Afrique qui a fait notre chute. Et c'est cette division de l'Afrique qui a fait la décadence actuelle que nous vivons. Et pourquoi? Parce qu'ils nous ont séparés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont immiscés entre nous. C'est pourquoi maintenant on dit que je suis Paul. L'autre dit je suis Diola. L'autre dit je suis Mandin. L'autre dit je suis ceci, je suis cela. Je suis Arcan. L'autre dit je suis ceci. Mais. Il ne faut pas oublier, avant d'être tout ce qu'on est, nous sommes d'abord Africains. Nous sommes des fils et des filles de cette patrie-là. Cette terre sur laquelle nous marchons chaque jour, nous foulons les pieds sur cette terre-là. C'est ça notre patrie. Et c'est cette terre-là qui a fait de nous ce que nous sommes. Donc nous avons quelque chose en retour que nous devons à cette terre-là. C'est d'abord de respecter le fait que nous sommes Africains, de respecter le fait que nous sommes tous Africains. Et nous avons ça en commun. Que nous le voulons pas, que nous l'acceptons pas, nous serons tous unis par ce lien qui nous définit. Parce que si l'autre nous regarde, qu'est-ce qu'il voit en premier? Est-ce que si nous sommes Paul ou Cyril? Est-ce que nous sommes Arcan ou? Est-ce que nous sommes ceci ou nous sommes cela? Non, non. La première chose que l'autre voit, c'est que c'est un Africain. Après,
Il est de quelle nationalité après les problèmes de lui-même? La majorité des gens ne s'en préoccupent pas. Tout ce qui les intéresse, c'est un Africain. Et nous, Africains, au lieu de voir ce qui nous réunit, l'essentiel, le fait d'être tous des Africains, c'est ça notre force. Maintenant, qu'on soit musulman ou chrétien, ça c'est personnel. Qu'on soit monothéiste, qu'on soit athée, qu'on soit, c'est personnel. Chacun a le droit de pratiquer la religion de son choix. Chacun a le droit de faire les cultes de son choix. Certes, on ne peut pas revaloriser l'Afrique sans revaloriser sa patrimoine. La patrimoine africaine, c'est ça notre richesse. Et ça, c'est notre culture. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait la culture? C'est ce patrimoine que nous avons, nos us et coutumes. Et quand on parle de nos us et coutumes, on parle de la spiritualité africaine. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit musulman ou chrétien, nous avons nos us et coutumes. Souvent, les gens vont t'insulter chez nous, mais je maîtrise mieux le Sénégal, donc je prends l'exemple du Sénégal. Souvent, quelqu'un peut te dénigrer de certains comportements, te dire, hey, tu n'es qu'un tiédo. Hey, ça, c'est pas une insulte, au contraire. Et moi, je le dis souvent, je suis fière d'être tiédo. J'ai du sang tiédo et j'en suis fière. Mes grands-parents ont été des tiédos. Mais c'est quoi être un tiédo? Être tiédo, ce n'est pas être athée. Être tiédo, ce n'est pas être mauvais. Être tiédo, c'est quoi? Avoir des valeurs. Être tiédo, c'est quoi? C'est les valeurs. Donc, la spiritualité africaine, c'est d'abord des valeurs. C'est juste une coutume. C'est des attitudes qui définissent nos valeurs. Ces pratiques définissent nos valeurs. Avant, on disait que c'est les valeurs qui faisaient les grands hommes. Ce sont les valeurs qui faisaient les grandes dames. Oui, je suis fière d'être tiède aussi. Être tiède, c'est être digne. Je suis fière d'être tiède aussi. Être tiède, c'est être une femme de parole. Je suis fière d'être tiède aussi. Être tiède, c'est préférer mourir que de déshonorer. C'était ça les valeurs intrinsèques qui distinguaient nos grands et valeureux ancêtres qu'on taxait de tiédos. Donc, c'est juste pour dire que le fait d'invoquer la spiritualité africaine ne fait pas de nous des non-croyants, ne fait pas de nous de mauvaises personnes, ne fait pas de nous des mécréants. Au contraire, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Le patrimoine que nous avons, nous devons la valoriser. Qui dit, moi, nous sommes, je parle du Sénégal parce que je maîtrise mieux le Sénégal, qui se lève pas le matin et verse de l'eau devant chez lui. Rares sont les domaines familiaux où le chef de famille ou la mère de famille ne se lève pas tout le matin après la prière ou bien même avant la prière, verser de l'eau devant sa porte. Verser de l'eau sur le sol devant sa porte. Et ça, c'est être mécréant. Pourtant, nous sommes des religions, nous sommes des musulmans et nous le faisons. C'est des pratiques bien connues de chez nous. Il faut qu'on soit sérieux dans ce que nous disons et qu'on soit conséquent. Nous le faisons, ce sont des pratiques qui sont là, nous le faisons. Et pourtant, ça, c'est quoi? C'est la spiritualité africaine. C'est la libation des terres de nos ancêtres. Quand les autres le font, on dit que ça c'est mauvais. Et nous, nous le faisons chaque jour le matin, on verse de l'eau devant chez nous, sur le sol. Ça c'est la libation, on le fait. Et pourtant, certains le font par tradition, d'autres le font parce qu'ils savent de quoi il s'agit. Et quand on va chez les autres, on voit d'autres types de pratiques. On verse le lait sur la mer, on le fait. Et pourtant, nous sommes des musulmans, nous le faisons. Pourquoi? Est-ce que c'est être athée? Pourtant, c'est toujours la spiritualité africaine. Donc, il faut que nous prenions la peine de comprendre les choses. Il faut que nous prenions la peine d'aller au-delà des choses, de creuser, de poser des questions et pas de taxer, juste de condamner. Donc, la liberté qui me permet de pratiquer ma religion, de l'affirmer dignement, c'est cette même liberté qui doit me permettre d'accepter l'autre. Donc, la spiritualité africaine, ce n'est pas une question de religion. C'est des us et coutumes qui nous sont bien propres,
Et on voit que les gardiens des traditions dans les maisons, dans les familles, continuent ces pratiques malgré le fait qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Même si on peut être d'accord ou ne pas être d'accord de ces pratiques, mais ces pratiques n'ont rien à voir avec la religion. Donc même les Kémites qui le disent, qui disent que quand nous sommes chrétiens ou musulmans, nous ne pouvons pas mener ce combat, ils n'ont pas compris. Le combat de l'Afrique, c'est d'abord de savoir que nous sommes un même peuple. Qu'on soit divisé de l'est à l'ouest, du nord au sud, un peu partout que nous sommes un même peuple et nous resterons un même peuple. Le même passé qui nous a réunis, l'esclavage que nous avons vécu des siècles, amer, sauvage, qui nous a détruits, traumatisés, et la colonisation que nous avons subie ensemble. On n'est plus dans les moments de ressasser le passé. On n'est plus dans les moments de nous lamenter. Maintenant, on se surpasse. Toutes ces étapes sont surpassées, mais on en parle pour montrer que ça nous a liés. On a vécu le même sort de l'histoire. Et il faut savoir qu'actuellement, nous vivons le même sort parce que nous sommes tous colonisés, qu'on le veuille ou pas, nous dépendons de l'autre. Nos soi-disant libertés, là, nos soi-disant indépendances, c'est entre les lignes. Mais nous ne pouvons rien faire sans l'aval de l'autre. Nous ne pouvons rien faire sans que l'autre dise oui ou non. Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous sommes indépendants? C'est ça les questions qui doivent nous lier. Nous avons le même passé, nous vivons le même présent et notre futur aussi est lié. Donc, le fait d'être africain nous réunit. Le fait de partager la même terre nous réunit. Le fait de subir le même sort nous réunit. Donc, il faut savoir l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? De nous unir. Chacun est libre de pratiquer les cultes de son choix. Chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Mais il ne faut pas qu'on trouve des moyens de nous diviser davantage, des moyens de nous regarder en signe de faïence. Donc, quand je dis comment, je parle de l'Afrique. Parce que c'est une manière de parler. On peut dire l'Afrique, on peut dire le continent noir, on peut dire beaucoup de choses, mais aussi on peut aussi dire comment. Parce que qu'on le veuille ou non, ça s'appelle aussi comment. Maintenant, le fait de dire comment ne veut pas dire que nous sommes tous des Kémites, que nous sommes contre les religions. Ça, c'est un faux débat. Et j'aurais voulu que les gens comprennent. Donc, si suivre Mariam dans sa cause, c'est conditionné, j'en ai pas besoin. Je suis une Africaine avant tout. Ceux qui me connaissent savent que je ne me définis même pas comme panafricaine. Je me définis comme Africaine. Oui, Africaine du Sénégal. Oui, Africaine résidant à Dakar. Mais je suis Africaine. Oui, certains me disent que je suis Peul parce que je ne me nomme pas. Mais j'ai du sang Bambara, j'ai du sang Xhosa, j'ai du sang Wolof et j'en suis fière. Je suis un melting pot, le fruit d'un métissage culturel africain et j'en suis fière. Je respecte la société africaine parce que nos ancêtres ont fait ce qu'ils ont fait. Ils avaient leur raison de faire certaines pratiques. Donc, ce n'est pas tout qui est mauvais, ce n'est pas tout qui est bon. Il faut savoir prendre ce qui est utile et laisser ce qui ne l'est pas. Donc, je prends ce qui est bien des valeurs qui nous ont léguées et je laisse ce qui ne l'est pas parce que nous sommes des progressistes aussi. Il faut savoir avancer avec le temps. Donc, il y a des pratiques qu'on ne peut plus faire, qui ne sont plus acceptables, mais il y a certaines qu'on peut faire toujours pour rendre hommage aux anciens, ne serait-ce que par respect. Donc, oui, je suis africaine, en pratiquant la spiritualité africaine. Oui, je suis Peul, parce que j'ai du sang Peul. Oui, je suis Bambara, parce que j'ai du sang Bambara. Oui, je suis Wolof, parce que j'ai du sang Wolof. Oui, je suis Xhosa, parce que j'ai du sang Xhosa. Mais avant tout, je reste africaine. Je respecte le patrimoine culturel de l'Afrique. Je valorise la spiritualité africaine. Et je suis musulmane. Je suis née et grandie musulmane. Je suis musulmane pratiquante. Je respecte la religion. Je lui donne ce que je dois lui donner. Donc, dans mes questions, il n'y a pas question de religion ou d'ethnie. Moi, je parle de vision. Moi, je parle d'idéologie.
Moi, je parle d'objectifs que nous avons en commun. Maintenant, si on m'appelle sur ce terrain, je vais en parler. Et ça fait mal quand des frères, des sœurs ou des amis sur qui tu pensais pouvoir compter te disent que ah, je ne te suis pas. Parce que tu as juste utilisé l'expression comment. D'autres t'envoient des messages pour te dire carrément pourquoi tu as utilisé comment. Quel est ton but? Quel est mon but? Quand je crée un club, je dis, comment club? Quel est mon but? C'est juste de chercher un trading. Que ce qui nous lie, nous tous, c'est Afrique. Je pouvais dire Afrique Club, mais je me dis, non, je préfère le mot comment, parce que pour moi, le mot comment est plus authentique. Je l'utilise parce que j'y crois. Parce que pour moi, comment c'est africain, c'est authentique, ça nous lie. Maintenant, si ça pose problème, parce que juste j'ai utilisé le mot comment, parce que je suis contre les religions, on ne me suit pas, vous n'avez rien compris. Le combat, ce n'est pas une question de religion, d'ethnie. C'est des questions de vision. C'est beaucoup plus important que toutes ces questions-là. Certes, la religion est importante. Certes, les ennemis sont importants. Mais la patrie avant tout. Nous sommes dans les pays laïcs, nous le savons bien. Chacun vit sa religion, chacun est ce qu'il est, et chacun se respecte, et le mieux vivre ensemble est là. Donc, il y a des questions qu'on ne doit pas poser. Donc, c'est pourquoi je voulais revenir sur ça, pour dire que, au moins, ayons l'auteur qu'il faut pour aller à l'essentiel. Que toutes ces questions qu'on mette sur la table tout le temps pour parler de religion, pour parler de, c'est juste pour nous diviser davantage. Moi, je respecte les Kémites, mais je ne suis pas d'accord quand ils nous pointent du doigt pour dire que nous, qui croyons aux religions, que nous sommes un frein à la lutte de libération de l'Afrique, que nous sommes un frein au développement de l'Afrique. Je n'y crois pas. De la même manière, mes frères et sœurs qui disent que les Kémites aussi sont un frein au développement de l'Afrique, que sont un frein à l'émancipation de l'Afrique, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on sache que nous sommes tous des Africains, qu'on le veuille ou non, nous sommes unis par le sang. Qu'on le veuille ou non, le brassage culturel et ethnique est là. Nous sommes tous fruits de cette union-là, qu'on le veuille ou pas. Qu'on se respecte, mais qu'on se focalise plus sur le combat qui nous réunit. Qu'on se focalise plus sur la vision qui est le panafricanisme, comme on le dit. Mais il y a deux panafricanismes. Le panafricanisme qui sert et le panafricanisme qui ne sert pas. Donc, lisons davantage, faisons des recherches davantage, essayons de comprendre la société africaine, essayons de comprendre les religions et de faire sortir la quintessence. Parce que la quintessence des choses fait la beauté de la pratique. Faisons une fixation sur l'essentiel. Donc, c'est pourquoi il fallait que j'en parle. Que ça fait mal, que les gens ne comprennent pas, qu'on nous juge juste parce qu'on a utilisé un mot comment, alors que comment c'est quelque chose qui nous est propre. Il fallait que j'en parle. J'ai reçu des messages des gens aussi qui voulaient savoir à quoi je pensais pour avoir utilisé ce mot-là. Est-ce que j'étais Kémite ou pas? Est-ce que je suis contre les régions basses? Quel est mon but exactement? Ça veut dire que vous n'avez pas bien compris l'importance. Et moi, je reste focus. Quoi qu'on puisse dire, je reste focus. Je sais qui je suis et je suis fière de ce que je suis. Certes, je peux plaire ou ne pas plaire, que vous m'aimez ou pas, mais je reste authentique. Je ne triche pas. Je suis une femme de conviction, une femme de détermination, une femme d'engagement. Donc, vous qui doutez si ce sont des astuces ou pas, il y a même certains qui me disent « club ». C'est pas bon, il faut pas utiliser le terme club. Le terme club renvoie à ceci, à cela. Ça veut dire que les noms n'ont pas trop d'importance. Ce qui est important, c'est le but, ce qu'on veut exactement et ce qu'on cherche à savoir. Donc, c'était ça le premier point. Donc, pour le deuxième point, c'est l'importance d'avoir un réseau africain de leadership et de solidarité. Nous sommes, nous Africains qui vivons en Afrique, nous savons bien de quoi on parle. Parce que c'est notre vécu, hein, tous les jours, nous sommes confrontés à ça. Hein, nous sommes confrontés à ça. On dit que nous sommes dans un monde de raison. Si tu n'appartiens pas à un groupe, ça va être
difficile, difficile d'avancer. C'est pourquoi les gens, même par hypocrisie, entrent dans des groupes, par hypocrisie, font partie de groupes, juste pour avoir accès à des opportunités. Parce que si on n'en fait pas partie, parfois on a d'énormes difficultés pour avoir ce qu'on veut. Maintenant, oui. Est-ce que ça peut être utile ou pas? Ça, c'est des questions. Mais nul ne peut sans savoir que le monde est défini comme ça. Il suffit d'être géostratège ou de s'intéresser aux questions internationales pour savoir qu'il y a des groupes bien restreints qui dirigent le monde, qui font prévaloir leurs idées. C'est pas pour rien qu'on parle de nouvel ordre mondial. Cette théorie de la pensée unique, que tout le monde doit penser de la même manière pour que le monde marche, que aussi le nouvel ordre mondial, hein, le nouvel ordre mondial est ce qu'il est, nous le savons, et c'est de ces personnes hein, qui sont à l'origine. On en parle parfois, on n'en parle pas, mais on sait que le monde est réussi comme ça. Maintenant, à partir de 2020, nous sommes dans une autre ère, une ère qui est en tournant important pour l'Afrique et nous ne devons pas rater sa coche. C'est douloureux de voir que toujours nous sommes là, sur la même base, ou bien même, moi j'ai envie de dire qu'on fait un pas en avant, deux pas en arrière, on n'avance pas conséquemment. Même si certes il y a des progrès qui sont faits, on voit qu'il y a des choses qui émergent un peu partout, mais quand même ça reste, donc il y a des choses à faire. Donc, on ne peut pas être développé sans une bonne éducation. Je le dis et je le rappelle souvent. L'éducation, c'est la base de tout développement. Donc, pour être développé, il faut être éduqué. Donc, quand on parle d'éducation, c'est d'abord l'éducation de base, les valeurs qu'on inculque à l'enfant, à la base, les valeurs religieuses, les valeurs culturelles, les valeurs sociétales. C'est ça qui fait la base d'un enfant. Après, il y a l'instruction. L'instruction qui te prépare, qui t'outille à affronter le monde réel, à te préparer à savoir comment fonctionne le monde réel. Après, il y a la formation qui t'oriente ou bien qui te capacite à avoir un métier. Malheureusement, dans nos pays, l'éducation est galvanisée. Mais ce n'est pas ça. Déjà, c'est inadéquat avec nos réalités, c'est inadéquat avec les besoins actuels, c'est inadéquat avec le progrès ou bien le monde actuel. Le système est à changer en Afrique, on en parle, mais malheureusement, nos gouvernants n'ont pas assez de courage pour refonter nos systèmes éducatifs. Les systèmes éducatifs sont faits en sorte que ça ne valorise pas l'Africain. Ça outille pas l'Africain à affronter le monde extérieur. Non, ce sont faits juste à nous préparer à être des services. Les systèmes éducatifs sont faits à nous préparer à être des complexés. Il suffit d'aller à l'école africaine, hein, de même à l'élémentaire, dès ça, l'élève commence à développer des complexes. Qu'est-ce qu'on te dit que tu n'es rien? Tu as été pris en esclavage, tu as été colonisé, tu as été tué, vendu, utilisé comme bon semble, tu ne vaux rien. Ta couleur, c'est du noirceur, tu es absolument rien. Quand on enseigne à un enfant que tes grands-parents ont été écrasés, que tes grands-parents ont été pillés, tués sans justice, qu'est-ce que cet enfant va faire? Ah, l'autre est plus fort que moi. Donc, je ne serai jamais à la hauteur. Celui qui a. Mon grand-père est un guerrier, ma grand-mère est une guerrière. Hein? Et l'autre l'a fait comme ça. Donc, moi, comment. Moi, je ne suis même pas une bouchée de pain pour lui. Déjà, l'enfant commence à développer des complexes. Il faut. Ça, souvent, je le dis à mes élèves, ils rigolent. Mais madame, je le dis, regardez les Américains. Tu es un enfant, on te dit, tu es le meilleur au monde. Tu es un Américain, tu gagnes toujours. Hein? Tu es le meilleur partout dans tous les domaines. Et l'enfant, déjà dans ton état d'esprit, il est le meilleur. Et il va grandir, il va conquérir le monde, il va exploiter tout, il va être créatif et innovateur. Mais nos Africains, on te dit quoi? Que tu es le dernier du monde. L'enfant commence à développer des complexes, tu vas au supérieur. On t'apprend les guerres mondiales. Hein?
Ce que notre sort dans ça, on le sait, on t'apprend la colonisation, comment ça a été violente chez certains, comment ça a été pacifique en Asie chez d'autres, toujours pour te montrer la force de l'autre. Et maintenant, les indépendances, tu vois que c'est eux qui ont venu, qui ont négocié, qui ont mis les bases, qui ont mis des gens qui sont de leur côté pour leur servir. Est-ce que c'est ce système-là qui va nous préparer à prendre cette relève? Quand Martin Luther King avait ce rêve-là, quand tu rêvais, quand on a eu Obama comme président, beaucoup ont dit le rêve de Martin Luther King. Mais le rêve de nos grands-parents, le rêve de Kwame Nkrumah, le rêve de William Dubois, le rêve de Cheikh Anta Diop, le rêve de Frantz Fanon, le rêve de Modibo Keïta, le rêve de Patrice Lumumba, et tous ces rêves-là deviendront quoi dans ce système-là? Est-ce qu'il n'est pas temps que qu'on prépare nos frères et nos sœurs à savoir à quoi s'attendre ou bien à quoi rêver tous ces zéros-là qui sont morts? Un Thomas Sankara, quand on l'enseigne à un enfant ou un enfant commence à découvrir un Thomas Sankara, le courage qu'il avait, l'audace qu'il avait, la vision qu'il avait à son âge, c'est de ça dont on a besoin. Donc l'éducation est fondamentale pour préparer l'avenir. L'éducation est fondamentale pour les bases d'un bon développement. Donc il faut qu'on arrive à refonter ce système éducatif. Maintenant, si nos gouvernants et nos autorités ne sont pas prêts à y aller, donc nous, Africains, en conséquence, il faut qu'on mette des plans pour ça. Ça veut dire quoi? Oui, maintenant, nous avons nos frères et sœurs issus de ce système. Il y a certaines qui ont la capacité de voir entre les lignes de ce qu'on leur montre, comment les récupérer et les capacités. Donc, en premier lieu, ce réseau doit avoir comme rôle de préparer cette nouvelle génération-là. Parce qu'on nous dit souvent, comme on a adage à faire appel à l'adage, on a l'habitude à faire appel à l'adage de Fanon, que chaque génération a la mission de découvrir sa mission, soit elle l'accomplit, soit elle ne l'accomplit pas. Donc, nous, notre génération, je pense que nous sommes conscientes que notre mission, c'est de changer la face du monde. Notre mission, c'est surtout de changer la face de l'Afrique, de nous faire respecter et de montrer que nous sommes aussi capables. De montrer que nous ne sommes pas juste là pour être des subs, nous ne sommes pas juste là pour être les laquais de l'autre, nous ne sommes pas là pour être des lèche-bottes. Mais nous pouvons nous assumer. Nous pouvons construire, bâtir de grandes nations. Nous pouvons aller vers l'unité qui sera notre force. Les États-Unis, c'est combien d'États? Nous, Afrique, nous sommes combien d'États? Donc, quand aujourd'hui on parle des États-Unis, pourquoi on ne peut pas avoir les États-Unis d'Afrique? Pourquoi pas l'unité d'Afrique ne peut pas se faire si les États-Unis l'ont réussi avec le fédéralisme? Quand on parle d'État fédéral, les gens rigolent. Mais c'est tout un processus et il faut y arriver. Donc pour ça, on a besoin de ces générations parce que c'est à nous de faire ça. Mais en nous formant, mais en nous cultivant, mais en ayant cette vision-là. Donc ce réseau-là, je dis qu'on en a besoin. Parce que souvent, les questions de leadership, ça pose problème parce que aussi, nous avons des tarents, qu'on le veuille ou pas, surtout l'égocentrisme. L'égocentrisme est un mal africain qui est en train de casser beaucoup de dynamiques. De même que l'égoïsme, la jalousie, la méchanceté. Alors que nous sommes des frères et des sœurs, nous devons aller à l'essentiel et nous appuyer mutuellement. Donc pour ça, il faut qu'on soit conséquent de nos tâches et de les travailler. En développement personnel, le leadership, c'est toujours du développement personnel. On te dit, tes forces, travaille à les conserver, à bien les utiliser. Mais tes faiblesses, travaille à les surpasser pour être meilleur. Donc tout un chacun de nous devrait être meilleur au jour le jour. Et pour ça, il faut nous travailler, travailler soi-même. Nos tares, c'est l'égocentrisme. Nos tares, c'est le manque de formation. Nos tares, c'est que nous lisons plus. Nous ne sommes pas structurés que ça. Nos tares, c'est que nous pensons que nous sommes dans un monde de rêve. Les choses, les vrais enjeux du monde, nous les maîtrisons pas. Les vrais enjeux du monde, nous en rigolons parfois, alors que c'est là où est le danger. Donc, un réseau de leadership, c'est quoi? Un réseau qui va capaciter des jeunes femmes et des jeunes
hommes de cette nouvelle génération-là qui pourront faire la différence, qui auront confiance en eux, qui seront assez compétents et outillés pour pouvoir mener ce qu'ils ont à faire au bon moment et comme il faut. C'est quoi nous appuyer mutuellement? C'est quoi être utile à l'autre? Si je peux apporter quelque chose à l'autre, je le fais. Hein? Comme faire le don de soi pour la cause de l'Afrique. Parce que sans ça, nous ne pourrons pas. Regardez tous ces programmes de leadership. Ça nous vient de l'extérieur. On a le programme Yali, on a le programme de la Fondation Frédéric Henneberg, on a tellement celui de l'Ouest africain, on a tellement de programmes de leadership, mais malheureusement, ils sélectionnent les jeunes qui sont dans des partis politiques ou dans la société civile. Donc, tout jeune, que tu sois visionnaire, que tu sois compétent, que tu sois bien intellectuellement, tu ne peux pas y accéder tant que tu ne milites pas. Quelque part, quel que soit où tu milites, il faut être membre d'une partie politique ou d'une organisation politique ou de la société civile pour pouvoir aspirer même à y participer. Et ça, c'est pas marginaliser la majorité des jeunes. Parce que si on voit le rapport que les jeunes ont avec la politique, certes, il y a plus de jeunes en politique maintenant, mais beaucoup de jeunes aussi ont peur de la politique ou bien ne s'intéressent pas de la politique. Ça, c'est une autre question qu'on va aborder, l'importance que pour les jeunes de s'impliquer en politique. Mais un jeune qui est intelligent, qui veut acquérir du leadership, qui veut participer au développement de son pays, aux grandes, ou bien au sens de décision, un jour ne pourra pas se préparer parce que juste il fait pas partie, il ne milite pas. Donc on pense que ça c'est normal. Un. Deux, qui définit ces programmes? C'est toujours eux. L'international occidental, c'est eux qui définissent les politiques de leadership. Politique qu'on enseigne dans ces programmes. Donc, c'est là-bas où on façonne les futurs dirigeants de nos pays. Donc, c'est là-bas qu'on met déjà dans l'esprit comment on doit faire de la politique, comment on doit se comporter. Donc, c'est leurs écoles qu'ils viennent nous toujours nous donner chez nous dans ces programmes-là. Eh bien, c'est bon de se former, mais après, on sera toujours des outils ou des éléments de cette internationale occidentale ou bien de ce système de néocolonialisme de domination. Donc, il y a problème. Et souvent, on laisse faire. C'est des pratiques qui sont là. Les gens pensent que c'est normal. Oui, c'est normal et même c'est bien, mais allons au-delà de ça pour voir les contenus. Est-ce que si nous voulons un relève digne de ce nom, si nous voulons que notre génération puisse remplir sa mission comme il se doit, si nous voulons que le regard que les autres ont sur nous change, est-ce que c'est à nous de nous donner les points sur lesquels ça devrait se faire? Et nous, on est là à se dire que nous sommes intelligents. Et moi, je suis convaincu que l'Africain est tellement intelligent que, mais est-ce qu'on utilise bien notre intelligence? Est-ce qu'il n'est pas temps que nous-mêmes, nous nous retrouvions dans un réseau pour penser notre avenir, pour penser notre leadership, pour penser à comment s'en sortir, à comment atteindre ce rêve-là que les anciens avaient pour nous, comment nous faire respecter, comment rendre notre pays prospère, comment développer la créativité des gens, comment développer l'innovation. Des aspects importants, mais c'est propre à nous. Donc, c'est à nous de nous mettre dans ça. C'est à nous de définir sur quel point seront axées ces formations-là. Et pour ça, il faut que ce soit nous qui serons maîtres des choses. C'est pourquoi j'ai pensé à ce réseau-là. On veut que chaque jeune de notre génération puisse répondre aux critères qu'il faut pour relever le défi. Soit bien éduqué, bien formé et bien préparé. C'est pas seulement dans les écoles où on peut trouver ça. Il n'y a pas plus fort que un réseau avec beaucoup d'hommes et de femmes d'expérience hein, qui peuvent capaciter ces jeunes-là, les préparer. Hein. Et là, ils gagnent une expérience concrète de ce que chacun de nous a vécu dans un domaine X ou dans un domaine Y.
C'est de ça qu'il s'agit. Vous qui posez la question, oui, ceci, cela, le club, c'est ça, définir les bases d'un réseau africain de leadership. Et j'y crois, et j'y travaille. Et j'ai des gens comme moi, des Africains engagés, avertis, visionnaires, qui ont compris ça, qui déjà y travaillent. Donc, comme je l'avais dit l'autre jour, je tends la main à tous mes frères et sœurs d'Afrique et d'ailleurs, à me joindre sur ce réseau-là. Parce que c'est notre rôle, c'est d'accompagner cette génération. Nous, c'est la génération, la majeure d'entre nous, on dirait que c'est la génération sacrifiée. Et il faut qu'il y ait ça, une génération qui se sacrifie pour les autres qui vont venir. Et c'est notre génération de le faire. Donc, c'est à notre génération de penser à tout ce qui les besoins que les jeunes ont pour les préparer à faire face. Un, qu'ils sachent qui ils sont. Deux, qu'ils aient confiance en eux. Toi, qu'ils soient outillés, capacités à pouvoir faire ce que... Et qu'ils sachent qu'ils ont un devoir citoyen et patriotique envers leur nation, mais envers le continent africain. De solidarité, oui, pourquoi solidarité? Parce que nous savons les conditions extrêmes que vivent la majorité, parce qu'on parle de la nouvelle génération, la majorité sont des jeunes. Déjà, l'emploi est un problème. Il y a tellement de chômage, les jeunes sont là formés, mais ils ne peuvent pas avoir un travail. Parce que quand on parle de travail, on parle de travail digne. On ne parle pas de travail qui ne peut pas te permettre de te prendre en charge, ni de prendre en charge ta famille ou tes proches. Donc, il y a tous ces problèmes-là, avec surtout la crise et la vie chère, c'est difficile pour un jeune. Donc, parfois, tu vois des jeunes, même pour faire un concours, le jeune n'a pas les 10 000 francs qu'il faut pour payer les frais pour participer à ce concours. Ou bien, il doit quitter une région pour venir à la capitale faire ce concours-là. Il n'a pas même pas de quoi prendre le transport, ni où dormir, ni même de quoi manger le jour J. Donc, on le voit chaque jour, des jeunes qui sollicitent juste parce qu'ils doivent postuler pour un concours, ils n'ont pas les 10 000 francs ou les 20 000 francs à payer. Sollicitent parce qu'ils doivent venir. Ils n'ont pas de quoi prendre le bus pour venir. Et parfois même le bus, il le prend horaire la nuit pour venir arriver si c'est à Dakar tôt le matin, faire son concours et reprendre le bus du retour le soir. Vous voyez comment c'est difficile pour ne serait-ce que passer au concours national parce qu'au moins là, on espère plus de chances pour pouvoir un boulot digne. Souvent, tu vois des jeunes échouer juste parce qu'ils n'ont pas pu faire leur examen. Ou bien parce qu'ils n'ont pas pu postuler à temps, parce qu'ils n'ont pas pu se payer juste l'inscription. C'est drôle, mais c'est vrai. On voit des jeunes qui ont des avenirs brillants, c'est ce qu'on dit, c'est quoi? Ils sont intelligents, ils sont doués. Tu sais que ce jeune est capable de devenir quelqu'un un jour. Tu le vois un jour arrêter ses études, pourquoi? Juste parce qu'il n'a pas les moyens. Ou bien dans sa famille, il n'y a personne pour lui payer ses études, ou bien pour lui payer un transport, ou bien même pour l'assister dans certains besoins. On pense que ça, c'est normal dans un pays où 70% des jeunes sont des jeunes et on dit que c'est eux l'avenir de ce pays. Mais l'avenir, c'est maintenant. L'avenir, c'est d'abord le présent. C'est aujourd'hui qu'il faut préparer ces jeunes-là à cet avenir-là dont on parle. Tu vois des jeunes malades. Non, personne pour les amener à l'hôpital ou payer l'ordonnance. Et on dit que sans la santé, on peut faire rien de bon. Donc, cette personne-là, si cette personne n'est pas en bonne santé, comment cette personne peut être apte de donner ce qu'il doit donner? Donc, il y a tout ça, c'est tellement compliqué, mais c'est le vécu, c'est la réalité. Qui nous font savoir ça. Et c'est à nous d'anticiper dans ces choses-là. Donc, anticipons à ça. Pour que le rêve de nos grands-pères et grands-mères ne soit pas vain. Hein. Qu'ils sachent que nous sommes dignes de confiance. Que la lettre qu'ils ont laissée, nous sommes capables de relever ce défi-là dignement. Et ce n'est pas aux autres de le faire. Ce n'est pas à l'Américain.
aux Français, aux Russes de le faire. C'est nous-mêmes qui le faisons. Regardez juste la Mali, vous pensez que ce qui se passe là-bas, c'est normal? Un pays qui se veut être autonome, un pays qui veut s'autogérer, on lui dit que c'est pas possible. Ce sont ses pères les premiers qui vont le bloquer. On a vu l'embargo de la CEDEAO, on a vu les sanctions de l'UE. Vous pensez que c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir? Au lieu que tout ce qui touche à ton frère ou ta soeur te touche directement, nous devons tous faire un bloc contre les autres, mais c'est nous-mêmes qui vont sanctionner, c'est nous-mêmes qui vont s'immiscer dans certaines choses qu'ils veulent régler pour montrer à l'autre qu'ils vont plus se laisser faire. On a vu les 49 soldats qu'on a arrêtés là-bas. Et on a vu le suite, on a vu ce matin la sortie de l'ONU pour dire. Hein? On a vu l'attaque d'avant-hier du camp, Cathy. Où est la gare? Juste pourquoi? Parce qu'ils ont juste dit que maintenant, on ne veut plus suivre le dictat international. Maintenant, on ne veut plus être des. Comment on le dit? Nous sommes. Je ne sais même pas comment nous qualifier, quoi. Hein? Ils refusent ça, ils veulent s'assumer, être autonomes, être indépendants. Ils subissent tout ça et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? On observe ou bien on est complices même de certaines sanctions contre eux. C'est malheureux alors que nous devons être solidaires, hein, mutuellement. Donc c'est tout ça à quoi on doit penser parce que c'est notre responsabilité, qu'on le veuille ou non, qu'on l'assume ou pas. Chacun de nous a sa responsabilité dans ce qui se fera demain. Et je pense que tout dépend d'aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qui fera aussi demain. N'oublions pas ça. Les choses ne peuvent pas tomber du ciel comme ça, ici ni là. Il faut qu'on s'y mette. Il faut un temps de travail. Il faut un temps pour maturer tout ça. Et il faut un temps aussi pour que les choses commencent à changer. Je reste optimiste pour l'Afrique. Et je reste africaine à sachez ça. Que je sois musulmane, Peul, Séré, Djola, hein, Bamba, Wolof, Sossé, je reste africaine avant tout et je suis fière de qui je suis. Et je serai aussi fière de celle que je serai parce que je vive ou que je meure, je serai toujours digne face à mon engagement. Je serai toujours digne face à ma mission. Donc, c'était ça mon live de ce soir, c'est deux points. Peut-être qu'il y aura des mots qui vont choquer ou blesser certains, mais juste sachez que ça vient du cœur. J'aime parler de manière crue, hein. Peut-être que c'est un défaut, mais je m'exprime comme ça. C'est mon tempérament. Et je vous dis donc bonne fin de soirée, hein, et bonne nuit et que bon début de semaine aussi, vu que demain c'est lundi. On reprend le tralala du boulot. Donc, du courage, de la conviction, de la force. Donc, c'est ça. Merci. Bye.